Grüezi, aujourd'hui je vais vous présenter une spécialité suisse-allemande, le Rösti. Les Rösti ou Rösti sont des galettes de pommes de terre typiques de la Suisse alémanique, mais consommées dans toute la Suisse. Ce plat a donné son nom à la frontière symbolique séparant la Suisse romande et la Suisse alémanique, la Röstigraben. À l'origine, les pommes de terre cuites la veille ou antérieurement en robe des champs étaient grossièrement râpées, formées en galettes et revenues dans du sein doux. Celui-ci a été progressivement remplacé par du beurre. Il existe de très nombreuses variantes, certaines classiques en y ajoutant du fromage, lardons ou oignons, surmontées d'œufs au plat, d'autres plus originales, servies comme garniture, avec par exemple émincé de veau à la zurichoise, ou en plat principal agrémenté de lard, rösti à la bernoise, ou de fromage. Depuis la fin du XXe siècle, on trouve des rösti industriels préparés et emballés sous vide dans les commerces alimentaires. Les Rösti ont donné leur nom à la barrière de Rösti, ou rideau de Rösti, ou encore Röstigraben, littéralement fossé de Rösti, qui marquerait la différence de mentalité entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. On parle notamment de Röstigraben quand une fautation fédérale obtient dans la région francophone des résultats très différents de la région germanophone. Guten Appetit!